Bienvenue dans cette nouvelle aventure sur Zplus TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur nos différentes plateformes, notamment YouTube, Instagram, Facebook et également sur notre newsletter. Un petit tour en République démocratique du Congo pour parler d'une icône de la musique. Tout à l'heure, on commence. La veille de l'indépendance congolaise est marquée par l'innocence d'une fille ordinaire qui deviendra plus tard la reine Cléopâtre, une figure très importante et emblématique de la musique congolaise. Billie Abel est venue au monde le 10 janvier 1959. Plusieurs pays seraient ravis de l'avoir pour citoyenne, mais le destin décide qu'elle naisse congolaise, ou disons mieux, zaïroise. Après une enfance normale, à 17 ans, elle noue un lien avec la musique, en devenant choriste puis danseuse chez Abeti Masikini. Et au début des années 80, elle rejoint le groupe Afrisa International du seigneur Taboulé Rochereau. Et suit Wapi, sorti en 1983, va marquer le début des succès de Billie Abel. Non seulement que ce titre est sacré meilleure chanson de l'année au Zaïre, mais va aussi faire remporter en Billie le prix du meilleur nouvel artiste de l'année. Après, vont suivre des collaborations avec des artistes de renom comme Dino Vangu, Taboulé Rochereau, Roger Izeidi et bien d'autres. Ça sera des tubes à succès. Une tournée africaine de Afrisa va connaître aussi la participation de Billie Abel. Sa toute première d'ailleurs en tournée africaine. Après un dernier album avec Taboulé, en 1987, Billie Abel quitte le groupe Afrisa International. Elle va rejoindre un producteur gabonais, juste avant de se rendre à Paris, où elle accompagne les célèbres guitaristes congolais Ringo Starr Bamundele. Son premier album avec Ringo s'intitule Phénomène et rencontre un succès hors pair, que ce soit à Kinshasa ou à l'étranger. Entre 1989 et 1990, Billie Abel est reconnue comme la première diva transcontinentale d'Afrique, qui va d'ailleurs faire une véritable tournée aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Afrique occidentale. L'auteur de Nairobi continue à marquer sa présence scénique jusqu'à l'ère actuelle en République démocratique du Congo. Et donc, sa musique n'a pris aucune ride. Elle fait toujours plaisir aux anciennes et nouvelles générations. La grande question est de savoir comment Maman Billie Abel fait pour rester toujours dans l'actualité de la musique. Maman Billie Abel, bonjour et bonne arrivée. Et bonjour, merci beaucoup. En tout cas, je suis très heureux de vous recevoir ici à Goma. Maman Billie Abel, nous parlons de toi, de ta musique. Et du coup, comme je l'ai introduit, j'ai tendance à poser la première question. Comment on explique que la musique de Maman Billie reste encore jeune? Depuis le temps, elle a fait danser les gens, elle a bercé des personnalités jusqu'à aujourd'hui. Merci pour la question. C'est que d'abord, la musique, c'est une passion et c'est inné. Et moi, j'avais eu la chance d'avoir M. Taboulé, Seigneur Ley, comme un encadreur. C'est le meilleur encadreur. Donc, c'est avec cette chance-là et du sérieux, la patience, voilà. Du sérieux, de la patience, et c'est quelque chose qui manque actuellement à la nouvelle génération. Votre génération, ils sont toujours pressés. Pressés, elles ne veulent pas travailler, elles veulent devenir stars, avoir des voitures, des belles choses, mais sans travail. J'ai totalisé 38 ans de carrière et je suis née il y a longtemps. J'ai dépassé déjà demi-siècle. Alors, je continue à me battre. En ce moment, je suis en train de m'organiser, je suis en train de construire une école de formation des jeunes filles à Kinshasa. Donc, ça va permettre aux toutes les jeunes filles du Congo démocratique d'avoir mon expérience, ma tenacité, la durée des carrières. Mon expérience, c'est ça, en fait. En tout cas, une très bonne chose, une initiative à louer à l'encadrement de la musique par celles qui sont dans la musique des aînés. Et donc, les jeunes, je ne sais pas trop, est-ce que ça sera juste... Au mois de juillet,
si Dieu permet, donc, et toutes les Congolais qui ont la bonne volonté, ils n'ont qu'à venir mettre un peu quelque chose pour pouvoir soutenir cette école. Et dans cette école, ça sera quoi la thématique abordée? Ça sera travailler la voix, la danse et beaucoup de choses. Couture, tout, tout. Exactement, parce que tout ça, ça fait partie de la musique. Voilà, toutes les langues nationales, ça sera une bonne chose. Apprendre l'anglais, français, et swahili, tshiluba, kikongo. Toutes les quatre langues nationales, bon, trois langues nationales, parce que Lingala, tout le monde parle Lingala. Toutes les trois langues nationales, c'est important. Être une bonne chanteuse, mais il faut apprendre aussi des langues, c'est très important. Ah oui, donc à un certain moment, parce que la plupart de vos chansons, c'est en Lingala, et donc... C'est en swahili, un peu en anglais, comme Shawiri Yaku, c'est en anglais. Donc quelques mots en français. Donc c'est ça en fait. Je suis polyvalente, je chante, j'interprète toutes les langues. Et ça c'est... Moi, si tu composes très belles chansons en swahili, swahili un peu arabisé, je vais interpréter. Déjà par la prononciation du mot swahili, là on comprend que c'est un peu arabisé, donc... Voilà, et donc Maman Billy, on parle déjà de tes perspectives parce que c'est vrai que toutes les générations jusqu'à aujourd'hui, elles écoutent ta musique, mais est-ce que Maman Billy, elle songe toujours à faire des nouvelles chansons avec des nouveaux artistes, parce qu'on a vu c'était le cas avec Anita Mouarabou, avec Majos, Majos, et avec Claudia Bakissa. À l'époque, avec, c'était Kadogo, mais elle nous a quittés il y a longtemps, paix à son âme. En tout cas, j'ai fait le featuring avec beaucoup des artistes jeunes. Ouais. C'est important, échange culturel, c'est vraiment, ça enrichit quoi. Et personnellement, vous trouvez déjà un espoir de la musique congolaise, parce que notre crainte à nous, c'est de voir, par exemple, après votre génération, la musique congolaise perdre un peu sa valeur, parce que actuellement, les jeunes artistes sont beaucoup plus dans le waltz. Ils essaient de mettre de l'afrobeat, mais la pirumba congolaise. Comment vous trouvez un peu l'espoir de la musique pour les années à venir avec cette génération? Moi, je vais leur dire qu'il faut d'abord la base, hein, une bonne base. Notre musique à nous, c'est la rumba. Bon, la diversité, c'est bon, mais il faut d'abord maîtriser la rumba. C'est pourquoi je suis en train de faire une école. Référence Mbili Abel. Je suis aimée partout, partout, Afrique australe, partout. C'est la rumba. C'est pas le hip-hop, non. C'est bien bon de diversifier, c'est bon. Pour toucher toutes les couches, toutes les nationalités, c'est bien bon. Mais il faut d'abord maîtriser la musique de chez nous, la rumba. C'est très important. Parce que la plupart des jeunes filles d'aujourd'hui, quand elles chantent et interprètent une chanson en Lingala, mais il y a l'accent française. Ça marche pas. C'est pourquoi ça marche pas. C'est pourquoi j'ai décidé, j'ai dit non, je ne vais pas partir comme ça. Un jour, si je ne suis plus de ce monde, alors je dois laisser quelque chose pour mes enfants, mes petits-enfants. C'est-à-dire, c'est l'héritage du Congo démocratique. C'est très important. Et alors, je vais leur dire, les filles, ça ne sera pas seulement les Kinoises, hein, ça sera toutes les provinces. C'est pourquoi je suis en train de m'organiser pour pouvoir arranger le moyen logistique. Si par exemple la jeune fille vient de Goma, elle doit être hébergée quelque part. Donc ça demande beaucoup de moyens. Et entre-temps, personnellement, comment vous trouvez la place de la rumba congolaise actuellement en Afrique, dans le monde, comparativement à d'autres musiques? Parce que c'est vrai, à votre époque, la rumba a envahi l'Afrique. Mais actuellement, on sent que la RDC n'a plus cette valeur, cette place musicalement parlant. Ça, c'est bien. Il y a la cause, il y a beaucoup de causes. Parce que déjà en Europe, à un moment, à certains moments, les artistes n'allaient plus jouer là-bas. Vous connaissez pourquoi et pourquoi. Alors, moi, je pense qu'ils doivent faire un effort. Nos frères et sœurs de l'Europe, ils doivent faire un effort de ne pas mélanger la musique et la politique. La musique, c'est quoi? La musique, ça donne, ça dégage l'amour, on transmet les messages de paix, d'amour, solidarité. Si on nous empêche d'aller jouer ailleurs. Donc, il nous empêche d'aller jouer et
ça touche seulement pas nous les artistes, mais ça touche aussi les Congolais qui sont à l'étranger. Parce que c'est notre musique à nous. Il y a eu la baisse. C'est à cause de ça. Moi, par exemple, quand je suis en tournée en Europe ou aux États-Unis, quand je regarde dans la salle, il y a moins de Congolais. Il y a toute communauté. Rwandais, Burundais, Ougandais, Zambiens, Congolais, Angolais, toute communauté africaine confondue, mais il y a moins de Congolais. Moi, je pense qu'on doit faire un effort d'être solidaire, amour du prochain. Il ne faut pas les Congolais. Les Congolais, ils ont toujours un langage, non les voisins. Non, on accuse les voisins pour rien. Entre nous, les Congolais, il n'y a pas d'amour. Il ne faut pas accuser toujours les voisins. Moi, j'avais joué à Kigali il y a 2 ans. La salle était pleine, full. Il y avait au moins plus de 5000 personnes. On m'avait reçu comme une vraie reine. J'avais joué à Bujumbura. C'était pareil. J'ai salué Suleiman, c'est lui qui m'avait produit là-bas. Donc, il faut qu'on arrête de mélanger la musique et la politique. C'est deux choses différentes. C'est comme si un médecin, il est du pouvoir. Il est quelque part. Alors, il y a un individu, je ne sais pas, ou une dame, ou un monsieur, ou un enfant de l'opposition. Il est tombé malade. Le médecin, il va faire quoi? Il va abandonner la patiente ou les patients? Non, il va les soigner. Nous, la musique, c'est comme des médecins. On n'est pas pour le pouvoir ou les opposants. Non, nous sommes Congolais. En général, l'école que je vais faire, je suis en train de construire, ça ne sera pas à l'avantage des pouvoirs ou des oppositions, non. Ça sera l'école des Congolaises, Congolais, pour toutes les Congolaises. C'est notre avantage à tous. Ça va représenter le Congo démocratique en dehors du Congo, partout. Il faut qu'on arrête de mélanger la politique et la musique. Nous sommes comme des médecins. Le médecin ne choisit pas à traiter tel ou tel. Non. Un médecin traite tout le monde. Donc, ils doivent faire un effort, nos frères et sœurs de l'Europe. Donc, on est en train de tuer notre musique, notre culture. Et ça, c'est très important parce que, je le rappelle, la musique, au moins, reste l'élément rassembleur. Oui. Qu'on soit de gauche ou de droite, qu'on soit de la majorité ou de l'opposition, et la musique ne devrait pas être mêlée à la politique. Non, pas du tout. Et donc, pas du tout. On sent la profondeur avec laquelle la Cléopâtre l'a dit. C'est très horrible. Amani, ça dit Amani. La paix n'a pas de prix. S'il n'y a pas de paix, tu ne vas rien faire. Si tu tues ton prochain, ça ne te dit pas. Pourquoi tu tues ton prochain? Alors qu'il y a assez de place pour tout le monde, le Congo est vaste. Si on ne s'entraide pas, si on ne s'aime pas, ça ne marchera jamais. A cappella pour le plaisir. Je te laisse faire le choix. Moi, je suis fort amoureux de Nairobi et donc. Nake Nairobi, Nako Sanganaduni, Nake Nairobi, Pona Salisaduni. À tout à l'heure. C'est avec cette belle voix que nous quittons dans cette émission. Je rappelle que nous, c'est Zik Plus TV. Merci beaucoup à la maison Diamant Noir Design qui nous a réalisé, Davido, qui était la prise de vie. Merci infiniment. On se retrouve très bientôt, en tout cas, avec un nouveau numéro. Message à tout le monde. Maman Billy Abel souhaite la paix à toute la République démocratique du Congo et dans la diaspora. Yves Kalura, c'était moi. On se retrouve à bientôt.